laisse bon. Bernard, c'est... Bernard, c'est l'amitié dans le long terme, c'est bien. Bernard, c'est une génération. C'était plus profond. C'est profond. Voilà. C'est, vous aviez des vraies relations. Des vraies valeurs. Je pense que l'amitié, c'est... L'amitié, les personnes qu'on était sur le terrain, il y avait le respect. On peut se chamailler, on peut faire des choses, mais c'est des hommes. Tu comprends, quand les gens, ils te respectent, c'est pour... Regarde-moi Bernard, je l'ai appelé, il m'a répondu, oui, Mousse, je vais faire. Il est en Guyane, regarde Ronnie, Ronaldinho. Le gamin, il fait Brésil, Rio, Dubaï, Dubaï, Casa, Agadir. Tu fais plaisir à plein de monde, parce que tu es l'idole des jeunes, ils vont venir là. À Agadir, on n'a pas l'habitude de voir des stars comme ça. Tu vas combler les gens de bonheur. Tu te rends compte quand même, tu vas faire ton match. Combien de papas peuvent se targuer d'avoir pu faire leur jubilé avec leur enfant sur leur terrain? C'est un moment, c'est un privilège. Les parents, il faut qu'ils donnent, c'est une culture en fait. Donc, moi, j'ai jamais oublié Awita, par exemple. Awita, mon père m'a toujours parlé d'Awita. Après, moi, mes enfants, j'aurais parlé des Ligues Rouges. Là, mes enfants, ils connaissaient Ligues Rouges, ils connaissent Awita, ils connaissent Faras, Ben Barak, je leur ai dit, d'origine marocaine. Tu comprends? Donc, il faut que les gamins, aujourd'hui, sachent qui a fait quoi dans notre pays. Tu vas en Tunisie, tu vas en Égypte. Tu peux leur offrir tellement de choses. Tu vas en Égypte, ils n'ont pas, les gens, ils n'ont pas. Et on parle tellement négatif de ces pays musulmans que ça me... Les gens, ils ne sont pas comme ça. Moi, j'ai envie d'aller faire un match en Syrie. Moi, j'ai envie d'aller en Syrie. Ouais. J'ai envie d'aller en Irak. J'ai envie d'aller en Palestine. De jouer un match en Palestine. Tu comprends? Il ne faut pas que... Tout ça, moi je parle pas, j'aime mon pays, le Maroc, oui je vais faire quelque chose pour le Maroc parce que ça me sentir. Mais on va offrir tous les enfants du monde sont tous les enfants du monde, il faut qu'ils ont... Mais pourquoi on ne ferait pas faire un match en Syrie? C'est non, pas la guerre. Non, c'est pas ça. C'est un match de football. Ce qu'on montre à l'extérieur n'est pas la réalité. Là, sur le terrain, il y a le respect. Après j'ai envie de gagner, je représente mon pays aussi quand même. Donc j'ai une fierté, il faut que j'aille à la bagarre. Mais dans le bon sens du terme. Tu vois, gagner avec mes atouts. Toi tu n'es pas dans le football, tout ça. Et sur le terrain. Donc à partir du moment où il y a une bonne image qui est véhiculée par le spectacle sur le terrain, voilà, le garçon, je lui mets un coup, je m'excuse, pardon, je le prends. Voilà, je fais bise, excuse-moi mon frère. D'ailleurs, moi je trouve que vous faites trop de bises sur le terrain. Ouais. Quand même. Hein. Ouais, c'est pour ça que je te dis, sur le terrain, je te dis, je dis pas parce qu'il y a la caméra. C'est un sport de... Non, mais c'est vrai, parce que le football, c'est la plus belle image, le sport, c'est la plus belle image qui est... visuellement, c'est ce que tu peux voir, parce que ça dégage de tout. La première fois que je l'ai vu, Mousse, il était tout jeune, il était maigre, mais il avait toujours la queue de cheval. C'est vrai. Et on jouait à Nancy, je jouais à l'époque à Nice. Et je regardais, après je voyais Mousse quand il prenait le ballon, et tout, j'ai dit celui-là, il est intéressant, il avait du ballon techniquement, et il n'avait pas de problème avec le ballon et tout. J'ai dit, mais tu as des qualités et tout, il faut continuer à travailler et tout. Et après, il m'a dit, parce qu'il était appelé en équipe de France Espoir, il a dit non, tu ne vas pas la jouer en France, tu vas avec l'équipe de France, tu vas jouer avec le Maroc. J'ai vu en lui que c'est quelqu'un qui a dit quelque chose d'exceptionnel par rapport aux autres qui étaient autour, qui jouaient avec lui. Et on a fait tout pour qu'il soit avec nous. Je suis heureux et content qu'il a fait toute une carrière exceptionnelle, soldé par un ballon d'or. Et il a joué avec des grands joueurs comme Neybet qui méritait. Comme toi, J'ai joué avec toi. J'étais fier d'avoir trois gars qui ont eu le ballon d'or. Il y avait Zaki, il y avait Timoumi, il y avait lui. Alors ça fait que c'est pas, même si on n'a pas gagné la Coupe d'Afrique des Nations, mais on a gagné trois ballons d'or, alhamdoulilah. Ouais, j'ai diminué. Non, il faut. Allez, bon appétit tout le monde. Merci. Bon appétit, papi. Oui, merci. Ça va? Super. Je vais vous donner la journée. Merci.
Ah, il est chaud hein, depuis ce matin, il a tenté ça. Je suis là en vie, je Il est capable de te blesser, fais attention. Ah non, il est blessé. Ça va. C'est le meilleur du monde. Tu sais, le garçon, il a un cœur comme ça. C'est vrai, c'est les gentils. C'est un magicien. Il peut me dire ce qu'on veut. On est le dessus de tout le monde. C'est pas que le chien dans la joie. Il a dit qu'il a donné tout seul, qu'il t'a aidé. C'est logique. Il a quoi manger, couscous. Tu connais le couscous? Il a fait quoi manger, couscous? Sometimes we stop. Mais ici, on va régler tout ça à la maison. Le soir, on règle ça. Le plus beau de la vie qu'on peut avoir comme footballeur, c'est ça. C'est d'être sans rien parce qu'on fait, c'est un grand présent que la vie nous a donné. Nice. Merci. Bien parlé. Respect. You see what I tell you? These people, not only footballers, not only this big family and big heart, big respect. To be honest. Merci. Merci beaucoup. كيصرفنا انا نشاركوا في هذا ليفينمون ديال مصطفى حجي التكريم ديالو وكما كتعرفوا راه مصطفى حجي اللي عطى البلاد المغربيه كثير واحسن ثاني لاعب مغربي اللي خدا احسن لاعب في افريقيا وحنا كيصرفنا بزاف وفرحانين بزاف اننا نشاركوا غدا ان شاء الله في هذا ليفينمون Come to go upstairs with me. How are you? Nice to have you. Thank you very much. You can come with me upstairs.
التمرير عند مصطفى حجي مصطفى حجي عندك اراده كبيره باش انو سجل هدف مصطفى حجي مصطفى حجي يفتتح النتيجه مصطفى حجي بنفس الطريقه اللي دائما تعودنا عليها يضع الكره في شباك الحارس خالد فوهبي 1-0 اكيد لاصدقاء مصطفى حجي ورونالدينيو dans le foot mondial. C'est un plaisir d'être ici.